où on fera rentrer la première voiture. Moi, c'est ma première participation, donc je ne sais pas très bien. Je vais découvrir, en fait. J'ai entendu beaucoup parler du Tour Auto au fil des années. Et puis, mon coéquipier Hervé Ordioni m'en a dit le plus grand bien aussi d'y avoir participé l'année dernière. Donc, je vais voir ce que ça donne, je vais voir ce que c'est. Je suis très heureux de découvrir ça et je trouve ici l'ambiance déjà fantastique. Donc, je crois qu'on va passer une très bonne semaine. Ça fait maintenant 8 ans. On a la chance d'avoir les enfants de la Fondation Opège qui nous accompagnent. Ça donne un vrai sens à notre course, c'est-à-dire qu'on se fait plaisir toute la journée, mais il y a une notion de partage. Et on accueille tous les ans avec grand plaisir des enfants au Grand Palais. On communique vraiment tout le temps avec tous les enfants de la Fondation Opège, du groupe Edmond de Rothschild. On passe 12 heures dans la voiture par jour ensemble, donc il y a une vraie aventure humaine dans la voiture et avec les voitures qui est autour de nous. Il s'écrit de belles pages, de belles histoires, de beaux souvenirs. Et d'année en année, ça marque. C'est assez fort en fait. Il faut le vivre pour le comprendre, mais c'est très fort. C'est le sixième et Gérald en a fait 5 en assistance avec nous, voilà, jusqu'à maintenant. C'est la première année où je passe derrière le mur des pilotes et copilotes. Mm-hmm. Donc c'est un peu stressant, mais c'est du bon stress. Et puis une épreuve qui est redoutable en termes d'organisation, c'est d'une efficacité incroyable. Ouais, c'est une semaine fantastique hors du temps qui nous permet de prendre un plaisir énorme. Bon, on s'est entraîné un petit peu, donc... On va essayer de faire les choses sérieusement quand même. C'est la première fois que je viens ici d'ailleurs. Toute première fois donc. Je découvre. C'était comment ? C'est sympa, ouais, c'est très sympa. Thank you.
ça se passe super bien. Pour nous, c'est plus un quart qu'une moitié, parce que malheureusement, on n'a pas pu rouler beaucoup mardi. On a cassé un arbre de roue dans la spéciale de Montlhéry. On a préféré sécuriser, réparer et rejoindre Clermont-Ferrand directement. Donc, en ce qui concerne le classement, on oublie. On savait pas trop ce qu'allait donner la réparation. J'ai pu rouler à Charade hier matin, ça a tenu. Et on se fait plaisir. Les deux spéciales d'hier, c'était impeccable. Et on est reparti ce matin. Je touche du bois pour que ça fonctionne. Sont différents. On roule sur les routes très étroites et il y a des endroits où on va très très vite. Hein. Des endroits où on arrive à 170-180 km/h. Nous, avec une voiture pas très puissante, alors j'imagine les grosses à quelle vitesse ça doit aller. Donc, c'est un exercice un peu particulier, mais je m'y fais, j'apprends et puis je progresse. Donc c'est sympa, c'est vraiment sympa. Ce qui est sympa aussi, c'est de voir l'enthousiasme des gens. On voit les gens sur le bord de la route, même sur les ponts d'autoroute, il y a des gens qui nous font signe. C'est fabuleux, c'est génial. C'est magique. En l'occurrence, j'ai un taxi un peu volumineux qui est beaucoup plus à l'aise sur les spéciales qu'en circuit. La voiture est assez lourde et c'est un vrai régal. Oui. Le parcours d'hier était dingue et c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était assez top. On sensibilise tout le monde à cette fondation. Les enfants nous suivent sur les réseaux sociaux. Guillaume, moi je conduis, donc Guillaume s'occupe d'envoyer des infos, de poster des petites photos. Ils sont avec nous dans la voiture de toute façon. Ça donne un sens à tout ce qu'on fait, c'est l'esprit de cette équipe et c'est important, très important pour nous.
il a une expérience incroyable. Alors le rallye, c'est pas a priori le domaine dans lequel il est connu, mais ça va vite, ça freine fort, et, on se sent vraiment en pleine sécurité, donc c'est très agréable, j'ai vraiment beaucoup de chance. Je le remercie d'avoir accepté. Je pense que sur la technique, on n'est pas trop mal, mais nos outils sont d'une fiabilité relative, donc il faut qu'on arrive à les mettre, à les étalonner voilà. Comme il faut et à... On met en correspondance voilà. Le compteur par rapport au tableau de calcul. Donc on affine de jour en jour, on règle sur des départs, la moitié spéciale, la fin spéciale, et puis on affine. On s'est bien débrouillé sur circuit, les spéciales, on a encore pas mal de boulot pour que ça fonctionne bien. Tout à fait. La voiture marche très bien, effectivement, elle sert chaque jour un peu plus, donc voilà. Tout va bien. Le moteur s'ouvre, se développe, on a un petit peu chaud, bon, mais ça c'est un petit peu normal. Hein. Non, mais après, tout ce qui est freinage, tout ça, c'est impeccable. Yeah.
Et c'était la seule chose qu'on espérait, c'est de pouvoir terminer, de découvrir le Tour Auto. Pour moi, c'était une grande découverte, de découvrir le rallye, le Tour Auto. Ce sont des paysages magnifiques, c'est un public extraordinaire. On a vu des gens sur tous les... Il n'y avait pas un kilomètre sans voir du public. C'était fantastique. C'est une grande fête de l'automobile. Des voitures extraordinaires, des voitures qui nous ont passionnés toute notre vie, que l'on voit rouler avec tous les pilotes qui sont là, qui aiment ce sport, qui aiment ces voitures-là. C'est fantastique. On ne peut pas trouver mieux. Hein. C'est beaucoup mieux que la Formule 1 actuellement. Tout a bien marché. Véhicule impeccable. Pas de chauffe. On a eu un petit problème de frein, mais on a réparé le soir. Sinon, voiture exceptionnelle et puis copilote. Bien préparé. Exceptionnel. Et puis on a passé la semaine à ajuster nos réglages et on finit par réussir à gagner une spéciale. Donc on est finalement assez content d'être arrivé jusqu'au bout avec un résultat somme toute honorable. Donc on s'est battu, on a tout ajusté pour finalement y arriver. Et même jusqu'à ce matin, on a tout donné. On a tout donné. Une très belle semaine, toujours aussi bien organisée. Il y a l'esprit de compétition, mais il y a un véritable art de vivre dans cette compétition. C'est aussi pour ça que chez Edmond Rothschild, on a choisi d'être partenaire, parce qu'on est vraiment parfaitement en phase avec ce que l'on veut faire et avec notre image. Et on découvre vraiment la France, tout ce paysage que quelquefois on oublie un petit peu. Ouais. Oui, c'est très agréable. On a le temps de profiter. Pas trop quand même. Un petit peu.